Kevin Gage, le jeune homme a fait des révélations tout à fait surprenantes sur son compte Instagram. Et pour cause, il a confié qu'il serait traqué. On vous dit tout. Carla Moreau et Kevin Gage, c'est fini. Depuis quelques semaines, les internautes savent que Carla et Kevin se sont séparés. Depuis, la jeune femme partage son état d'esprit par rapport à la situation. Il y a peu, elle a pris une décision radicale, se concentrer sur elle et sa carrière. Je fais plein de choses que je ne faisais plus, ou que je ne faisais pas. Par exemple, faire des livres, etc., c'est quelque chose que je faisais très rarement. Et là j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond, de découvrir plein de choses, voilà d'évoluer intellectuellement sur d'autres horizons. Donc voilà, ça en fait partie. Je vais aussi me remettre au sport, je vous avais dit, j'avais envie de me remettre au sport, de vraiment penser à moi. A-t-elle confié à ses abonnés? Celle qui s'est fait tacler par Julien Tanti a ajouté, bon, c'est vrai que là en ce moment voilà il y a eu tellement de changements que je n'ai pas eu trop de temps pour moi encore, mais c'est dans les futures semaines ce que je vais faire. Voilà prendre soin de moi, faire du sport, voilà plein de bonnes choses. Me découvrir en tant que femme, apprendre à m'aimer aussi, parce que je pense que c'est important. Je pense qu'avant je ne m'aimais pas forcément beaucoup, et depuis on va dire quelques mois j'ai appris à m'aimer et aussi à penser à moi. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc pour le coup voilà, petit à petit j'essaye d'évoluer et je pense que j'évolue de la bonne manière. Carla. Prête à refaire sa vie? Du coup, Carla est bien décidée à avancer dans sa vie. Malgré tout, certains gardent espoir et aimeraient que le couple se donne une seconde chance. Pour Akababe, si cela est possible, ce n'est pas encore envisageable. Là pour le moment, il fait le malin. Il y a deux possibilités, soit ça met une tarte à Carla et c'est définitif. Soit elle lui pardonnera. A-t-il confié à sa communauté, avant de préciser, mais pour l'instant, les deux fricotent chacun de leur côté. Car oui, Kevin Gage ne serait pas le seul à fricoter avec des jeunes femmes. Carla Moreau aussi aurait un nouvel homme dans sa vie. Mais de qui s'agit-il? Le compte @timesfrance69 fait des révélations. Apparemment, le nouveau mec que Carla fréquente, un certain restaurateur à Marseille, serait assez friqué. C'est un vrai tremplin pour elle et une vraie vengeance si ça concrétise. Il poursuit, elle était tellement loyale avec Kevin que lui, ne la respectait pas, 7 lui faisait du sale devant ses potes. Même s'il a vraiment pris son dos pensant le scandale, niveau tromperie il se faisait plaisir. Kevin Gage pousse un coup de gueule. Sur les réseaux sociaux en tout cas, certains voient une compétition entre les deux candidats. Et pour cause, tous les deux passent beaucoup de temps avec Ruby et le mettent en avant sur les réseaux sociaux. Mais si Carla a toujours fait cela, Kevin partageait moins de moments en compagnie de sa fille.
Alors, les internautes se demandent s'il ne fait pas ça pour se racheter une conduite. À la fin du week-end dernier, il a alors posté une vidéo qui résumait tout ce qu'il avait fait avec Ruby. Un père, une fille. Plein d'amour et de rire, a-t-il écrit en légende. Sauf que les internautes ont trouvé que Kevin, qui s'est réconcilié avec Nicolas, se mettait en compétition avec Carla. Sous le post, on peut lire « Tu te montrais rarement avec Ruby avant le divorce, il s'affichait moins avec Ruby avant les deux, on dirait que toi et Carla vous faites un défi de qui va montrer qui passe le plus de temps avec sa fille sur les réseaux, il veut prouver quoi lui ? Oui, on sait que tu mets cette vidéo pour montrer que tu passes du temps avec Ruby, tu te justifies. » Au vu de toutes ces critiques, Kevin a décidé de réagir. Sur Snapchat, il a écrit « J'ai passé un week-end de folie avec ma vie. Je vois des gens ultra gentils sur les réseaux sociaux dans ces moments compliqués, la séparation. Et d'essayer de reprendre une vie normale que t'as pas vécue depuis longtemps. Ça fait plaisir. » Par contre, je reçois des messages de fous aussi. Des gens qui me disent que je suis une mère astérisque par rapport à Carla ou mon enfant. On a le droit de m'en vouloir ou autre. Mais il y a des choses méchantes à garder pour soi. Et je demande à tous ces gens de se désabonner, au lieu de perdre du temps à insulter ou autre. Paix sur vous et que D vous protège comme il le fait si bien avec moi. Kevin confie être traqué. Alors que Carla Moreau a fait son retour à la télévision dans La Grande Rigolade, Kevin a fait une drôle d'annonce sur ses réseaux sociaux. Et pour cause, il a posté la photo de Trackers sur Instagram et il a ensuite demandé à ses abonnés s'ils savaient ce que c'était. Nombreux sont ceux qui lui ont alors indiqué que c'était justement des trackers.